commencer par ce fameux rendez-vous que tant attendu. On en a parlé en radio, on en a parlé en télé. Donc, de cette loi qui a été votée par le député Serge Tchimi, ici présent. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus donc, pour ce premier séminaire urbanisé de Paris. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Et nous avons donc fait appel à les associations pour nous aider à vos réunions. Donc, je voudrais les remercier déjà dans un premier temps. Donc, l'association Agora, dont la présidente Madame Viviane Vaugirard. Ah, mais pardon, vous n'avez pas vu Madame Vaugirard. Bienvenue chez vous. Monsieur René Sidot du Créforum 92, qui est président du Créforum 92. Merci beaucoup. Il y a M. Daniel Lemay qui est là aussi, donc qui est secrétaire général du Balaisie, avec l'association des amis du BPM, je voudrais qu'il vienne également, Manuel, pour son dévouement. C'est normal, hein, c'est humain et c'est associatif également. Pour remercier donc Espace FM qui n'est pas là ce soir, également ONTV, également Tédanti, ce sont les médias qui nous accompagnent tous les jours. Madame, je suis très content et très heureux d'avoir pu travailler avec vous. Merci beaucoup. Mon Girard, c'est un honneur pour moi parce que j'ai tant entendu parler de vous sur ce qu'est votre métier. Et donc aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi d'être ici. Merci beaucoup. Monsieur René Sidot, que tout le monde connaît, Monsieur René Sidot, donc président du Créforum 92, mais aussi un homme d'association, un homme qui travaille énormément pour la communauté. Il fait un travail considérable, j'ai vraiment voulu qu'il nous accompagne personnellement mais aussi au nom du CRIFOR 92. Merci beaucoup. Nous saluons vous qui a été donc vraiment à mes côtés pour préparer ce séminaire. Merci beaucoup pour le dévouement, merci également pour l'attention que vous portez à ce palais. Merci beaucoup. M. Daniel Lemay, c'est un ami de M. Lecchini depuis des années. Nous avions monté donc l'association des amis du PPM à un moment donné afin de partager ces moments de bonheur avec M. Lecchini, mais aussi véhiculer l'image du BPM en France. Daniel, merci d'être là. Il est aujourd'hui secrétaire général du Balaisie. Merci d'être là également. Je salue donc toutes les personnalités qui sont présentes ce soir. Ce que je reconnais, je voudrais simplement saluer Madame Christiane Taubira. C'est vraiment un honneur pour nous qu'elle puisse se déplacer. Je suis vraiment enchanté et honoré de votre présence, Madame. Donc, l'occasion de nous rencontrer maintenant ce soir, pour moi, c'est un honneur. Merci. Et la Guyane est présente, et la Guyane est de mon cœur. C'est ainsi qu'aujourd'hui, j'ai l'honneur donc, de présider ce nouveau balisier et fier de le présenter comme je l'ai fait tout à l'heure. Nos objectifs sont de véhiculer les valeurs, l'esprit et la politique du PPM également. Nous voulons mettre en exergue l'ouverture de ce parti à tous ceux qui veulent, au-delà des clivages politiques, comprendre ce pourquoi, adhérer à cette démarche d'explication. C'est aussi aujourd'hui le but de ce séminaire qui a pour thème principal l'indivision. Nous parlons bien sûr de votre proposition de loi sur l'indivision qui a été votée récemment en première lecture à l'Assemblée. En effet, dès le début d'ailleurs de votre nouveau mandat de député, vous avez souligné l'importance de porter les problématiques politiques de notre département ainsi le bien les expliquer à nos compatriotes qui vivent en France. Il en a toujours été de même quant au fonctionnement de cette machine politique avec sa nouvelle donne et la puissance qui en résulte. Par ailleurs, le combat que vous menez n'est pas un combat uniquement pour la Martinique, mais pour les Outre-mer. Raison pour laquelle que nous avons tenu que soient réunis dans ce séminaire pour débattre avec vous ce soir tous ceux qui participent à la vie socio-culturelle, dans les associations, mais aussi celles et ceux élus qui nous représentent dans les mairies, les régions, ainsi que dans toutes les structures étatiques, publiques ou privées, en relation avec la puissance publique et pourront être sollicités par nos compatriotes lors de nos activités quotidiennes. Quand je dis tous les acteurs de la vie socio-culturelle, je pense au président de l'association, il y en a pas mal ce soir, à longueur d'année se battent pour avoir une visibilité au sein de la vie associative de leur ville. Je pense aux élus qui essayent d'apporter leur savoir-faire et leur spécificité au sein des conseils municipaux. Ils sont là également ce soir. Je pense aussi à nos sportifs, nos artistes, nos écrivains, nos agents de la fonction publique, tous ceux qui interviennent auprès ou dans ou de loin, les vecteurs de notre émancipation audiovisuelle tels que les TV, comme Télanti, comme Outre-mer 5, les radios comme Espace FM. Cet important support médiatique véhicule notre image et celle de l'Outre-mer. Avec M. Lecchini. Merci beaucoup, M. le député. C'est à vous.
Bien, d'abord, bonsoir. Alors, j'ai vraiment un grand plaisir à vous voir aussi nombreux dans cette salle. Beaucoup de structures, beaucoup d'associations. Je voudrais tout d'abord remercier M. le maire Rémi Museau qui nous permet d'être là ce soir. Si pas t'es pas nous salle, là, pas t'es gay là. Madame la ministre, je veux solennellement vous remercier pour votre présence. Et chère Christiane, je veux vraiment te remercier pour ton amitié et pour ce que tu as, nous avons fait ensemble au Parlement pendant longtemps, on a mené de beaux combats. Ce que tu as fait et que tu feras encore pour la Guyane. Et ce que tu as fait et que tu feras encore pour le monde entier. Parce que je pense que cette contribution de toi-même est à la fois dans la sphère politique mais aussi dans la sphère humaniste, plus largement, votre contribution au monde par les lois que tu as portées, c'est une contribution universelle. Et je suis sûr que celui que nous avons beaucoup aimé et que nous aimons toujours serait très très fier de ces combats-là. Je vais parler d'Aimé Césaire, que tu as connu comme moi-même. Ma deuxième grande fierté, c'est d'avoir ici présente ma fille, Céline, qui m'a accompagné. Ça, c'est rare. Bon, tu as accompagné papa, etc. Mais elle a accepté de venir ce soir avec moi pour m'écouter. Elle fait des études à Paris. Alors, très honnêtement, je ne suis pas venu pour faire un discours. Je veux expliquer un texte très important et qui nous lie. Vous verrez pourquoi tout à l'heure. Nous avons un enjeu considérable. Nous sommes attachés à la République. C'est pas une position personnelle, c'est ce qu'on ressent en Martinique. Et la majorité des Martiniquais et des Guadeloupéens ont toujours exprimé leur attachement à la République. Ce texte-là est né d'un constat. Le texte sur l'indivision, la sortie de l'indivision, est né de constat. Dans l'outre-mer, je vous donne quelques chiffres. 40% des terrains privés ou bien immobiliers privés en Martinique sont dans l'indivision. La seule commune de Macouba, que vous connaissez certainement pour les Martiniquais, 83% se trouve dans l'indivision. La commune du Diamant, c'est 52%. La commune des Anse-d'Arlé, c'est à peu près 50%. Et Fort-de-France, c'est 47%. À La Réunion, c'est autour de 30% d'indivision moyenne. En Guadeloupe, c'est pratiquement pareil. C'est autour de 40% d'indivision. Quand vous avez une commune comme Macouba, qui a 83% d'indivision, c'est-à-dire, quand je dis indivision, c'est une indivision de long terme, de court, long et moyen terme, c'est-à-dire que le maire de la commune ou les acteurs économiques de la commune ne peuvent travailler que sur 17%. Parce que vous avez pratiquement 83% des terres ou des biens bloqués par l'indivision. Qu'est-ce qui a conduit ce phénomène-là? Qu'est-ce qui nous a poussé à ce phénomène-là? Pour quelle raison on en est là? Parce que lorsqu'on regarde le taux de l'indivision successorale sur la moyenne nationale, c'est nettement plus bas, on se trouve autour de 7 à 10%. Pour quelle raison nous avons 3 à 4 fois? Et pour quelle raison certaines communes de la Martinique sont 5 fois, 8 fois plus importantes que la moyenne nationale? L'histoire est très claire et en même temps complexe. Premièrement, la colonisation, la possession des terres et la transmission de ces terres, la filiation derrière ça. Parce que le processus de mise en propriété des terres a obéi pendant la période coloniale à une procédure de concession donnée et progressivement devenant des propriétés foncières. Et après l'abolition de l'esclavage, c'est-à-dire 1848 pour ce conseil de la Martinique, les gens se sont retrouvés dans des processus à la fois d'acquisition, d'autorisation d'occupation de terres, ou encore de transmission du foncier dans des conditions qui n'ont pas été parfaitement calées dans le cadre du cadastre et dans toutes les références foncières que nous connaissons. D'ailleurs, le cadastre dans l'outre-mer s'est installé vers les années 70, lorsque le cadastre s'est installé à la fin du 19e siècle en France hexagonale. Donc nous avons une situation extrêmement compliquée avec une méconnaissance qui pose deux problèmes majeurs, à la fois la question des titres de propriété, très important, et de l'autre côté la question de l'indivision successorale avec la complexité foncière qui s'est créée et les enjeux qui sont liés plus contemporains au départ de nombreuses personnes.
Qu'est-ce que ça a comme conséquence? C'est-à-dire non-utilisation d'un patrimoine foncier immobilier à hauteur de 40% dans le pays et à hauteur de 83% pour le Macouba et à hauteur de 47% pour Port-de-France. Quelles sont les conséquences au-delà même du blocage de l'immobilier? Ce sont les conséquences sanitaires qui sont les plus visibles. Chikungunya, dengue, Zika prennent leur source et leur naissance dans plein d'endroits, dont dans ces bâtiments-là. Deuxième situation catastrophique, c'est bien sûr des questions d'hygiène. Parce que ces maisons qui sont abandonnées, que vous voyez quand vous venez en Martinique ou en Guadeloupe, zeb, rat, ravette, et des problèmes de sécurité, c'est-à-dire des maisons squattées, occupées et qui deviennent extrêmement dangereuses. Quelles sont les conséquences sur le plan financier? La non-valorisation de patrimoine. Si vous avez un patrimoine qui coûte par exemple 1 million d'euros, vous êtes 10, chaque mois on a mis 100 000 euros dans un partage, parce qu'on a réussi l'indivision, c'est 100 000 euros unis pour pouvoir investir, ou améliorer votre maison, ou faire travailler le BTP, ou investir pour vos enfants pour faire les études de médecine ou je ne sais pas quoi en France ou dans le monde entier. Vous avez un système qui est bloqué. Les conséquences sur le plan immobilier, c'est que tant sur le plan économique, les activités qu'on pourrait mettre sur un terrain au centre-ville ou de la périphérie de Fort-de-France pour une activité économique autre, vous ne pouvez pas faire parce que le terrain est bloqué. Et si vous voulez réapproprier ce foncier, ce bâtiment pour construire du logement, y compris logement social, logement très social, ou logement à défiscalisation, logement intermédiaire, vous ne pouvez pas parce que l'opération est bloquée. Ces conséquences en chaîne conduisent à une paupérisation urbaine, c'est-à-dire l'esthétique de l'urbain, vous voyez des maisons délabrées partout, vous avez une paupérisation économique et vous avez aussi une paupérisation fiscale, puisque comme vous ne tirez aucun profit, ni vous, ni la mairie, ni la collectivité, de bâtiments neufs qui pourraient être construits sous ces bâtiments-là, vous avez une espèce de situation de léthargie économique, fiscale et sociale. Une des conséquences, peut-être qu'on ne voit pas, c'est que la plupart de ces maisons qui restent 10 ans, 20 ans, 30 ans, voire 40 ans en indivision, ces terrains-là créent un désordre social à l'intérieur des familles inimaginable. Ça va créer cancan. Parce que lorsqu'un frère ou une sœur est obligé de traduire ses frères et sœurs devant les tribunaux pour pouvoir régler la succession, c'est un traumatisme familial durable et voire jusqu'à la mort. Parce que leurs frères et sœurs mettent au tribunal pour l'obliger aux failles, parce que la seule solution qui existe à partir du moment qu'un monde n'est pas d'accord, c'est le tribunal. C'est la procédure judiciaire de l'article 815.5.1 du Code civil qui oblige à aller devant le juge pour pouvoir régler la succession. Parce qu'il suffit qu'une seule personne, si on prend l'exemple de 30 personnes en indivision, donc 30 héritiers, 30 bénéficiaires, qu'une seule personne décide de ne pas parler, c'est-à-dire qu'il canne pas la troupe, pas même usé dit, compte, ne s'exprime pas pour que tout soit bloqué et qu'on ne puisse absolument rien faire que d'aller vers la procédure de licitation par le juge, c'est-à-dire une licitation vente aux enchères, pour s'il y a une vente, et de partage au grain de dé, quoi, comme on dit, et par le juge, c'est pas au grain de dé, tout à fait, c'est partage, et j'ai oublié le terme, pour qu'on puisse faire le partage en fonction des personnes qui sont concernées par l'affaire. Donc vous voyez, cette situation que nous connaissons s'aggrave de manière considérable lorsqu'on conjugue à la fois ce que je viens de décrire comme une situation de blocage à la question des titres. Parce que là nous parlons que de personnes ayant un titre décédé avec des héritiers derrière. Nous n'avons pas parlé de ceux qui n'ont pas de titre. Et la question du titre se pose en plus de la question de l'indivision. Avec la question de l'indivision, nous avons un cocktail de blocage de toute une société, strictement par une application bête, méchante, non, j'enlève méchant, bête et mécanique du Code civil, sur un terrain qui n'a absolument rien à voir avec l'histoire du Code civil dans l'Hexagone. Est-ce que dire qu'il y a une politique de différenciation à mener pour qu'on puisse tenir compte de nos propres problèmes est une injure à la République une et indivisible? Non.
Au contraire, c'est une demande claire et nette d'ouverture de l'esprit pour codifier les choses différemment sans sortir de la République. Et c'est cet exemple que je veux vous donner. Qu'est-ce que j'ai proposé? J'ai proposé, avec d'ailleurs un gros travail d'une jeune notaire qui s'appelle Madame Chevola, je cite toujours son nom parce qu'il a fallu vraiment travailler sur ces textes, je suis urbaniste, je ne suis pas juriste. Et nous avons trouvé des solutions. Premièrement, les gens qui se taisent simplement pour emmerder leur propre famille ne prennent plus de terre. C'est fini. Parce qu'il y a beaucoup de cas comme ça. Hein. Beaucoup de cas comme ça. Parce qu'il y a à la fois l'opposition à la sortie des divisions successorales parce qu'on n'est pas d'accord, pour telle raison, et puis il y a simplement un mec ou une bonne femme qui dit clairement « Non, on n'est pas d'accord. » Et puis qui a quitté tout le bail là, qui a l'air rapouille. Non, à partir de 51% d'indivisaires, vous allez pouvoir régler la succession sans passer par le juge. C'est ça la proposition faite dans le cadre de cette loi. Je précise 51%. Et je précise autre chose, c'est que nous avons négocié avec le gouvernement. Merci beaucoup, je voudrais vraiment vous remercier de m'avoir écouté. Et puis, passer la parole à Christiane, si je peux me permettre, que je dis un petit mot très rapidement, avant qu'on puisse accompagner chez elle. Merci madame. Merci à toi. Écoutez, je passe une très belle soirée avec vous. Néanmoins, je n'ai aucune raison de prolonger indûment cette soirée, parce que mon cas... Pensez, il faut entendre un autre casse quand même, hein? Votre casse pas boulet. Alors, j'ai accepté volontiers l'invitation de Serge lorsqu'il m'a proposé de vous rejoindre ce soir, en tout cas de me joindre à lui pour vous rencontrer ce soir. Pour ça, j'ai trois raisons. La première raison, c'est parce que nous nourrissons une vieille amitié maintenant qui est nourrie, qui est remplie d'affection et d'estime. Donc c'est la première raison qui m'a conduite à dire oui. La deuxième, c'est que je suis un peu labée, c'est-à-dire que vous me manquez. Je ne vous vois pas assez souvent, donc pour moi c'était une excellente occasion de vous retrouver et de retrouver des présidentes d'associations, des élus de communes, d'établissements intercommunaux, de régions, et donc de voir à quel point l'implantation que vous assurez culturellement, politiquement, est importante ici. Puis la troisième raison, c'est parce que le sujet est extrêmement important. Il est extrêmement important pour la Martinique, on l'a vu. Il est extrêmement important pour les autres territoires des Outre-mer. Il est également pour la Guyane, alors à des degrés différents, bien entendu, parce que nous avons des réalités territoriales différentes, nous avons des réalités géopolitiques différentes et nous avons des histoires très proches, mais parfois quand même singulières. Et pour ce qui concerne la Guyane notamment, l'importance du territoire, son étendue, fait que la problématique est à une autre échelle. Cependant, elle existe. Elle existe notamment pour la ville de Cayenne, parce que les limites à l'aménagement urbain, à la préservation même d'ailleurs du patrimoine architectural, ces limites sont très fortement liées à l'indivision qui est prédominante également dans la ville de Cayenne. C'est également le cas pour la ville de Saint-Laurent, mais la nuance par rapport aux territoires insulaires, c'est que, comme le rappelait le député Serge Letchimé à l'instant, c'est que la Guyane est un territoire plus vaste. Alors, quand on était parlementaires ensemble, je l'embêtais beaucoup. Donc, je dis, bon, non, mais chez moi, bon, voilà, il y a de la place. Vous êtes les bienvenus, d'ailleurs. Mais donc, nous avons une problématique, c'est celle d'occuper le territoire. D'occuper le territoire. Et il faut être capable de poser cette problématique chez nous, ce qu'on ne sait pas faire, de sorte que nous avons donc une suroccupation urbaine, nous avons une surdensité démographique dans les zones urbaines, alors que nous avons une étendue forestière extrêmement importante. Mais ça, c'est un autre sujet. Le sujet est important, donc il nous concerne aussi. Donc la loi de Serge Letchimy est une loi extrêmement importante, y compris pour la Guyane. Et puis c'est un sujet qui nous touche. On a bien vu comment la soirée, en fait, elle a presque tourné en soirée de consultation.
sur des dossiers familiaux particuliers, parce qu'en fait, vous vivez très directement les nœuds qui bloquent le traitement de ce sujet. C'est typiquement un domaine dans lequel notre identité est mise à l'épreuve. Parce que le rapport au territoire, le rapport à la terre, le rapport physique et affectif à nos lieux de naissance est un rapport qui détermine la conscience que nous avons de notre identité collective. Et c'est pour ça que ce soir, ce qu'on a entendu, c'est à la fois votre préoccupation sur des dossiers précis, mais en même temps cette interrogation sur l'entour, sur l'environnement, sur la vitalité du territoire lui-même et sur les possibilités de concevoir des projets contre une fois qu'on aura réussi à lever ces blocages. C'est donc un texte de loi extrêmement important. Il est extrêmement important pour dissoudre ces blocages familiaux, mais pour nourrir la conscience des Martiniquais, des Guadeloupéens, des Guyanais, des Réunionnais, de leur conscience de notre lieu. Même si nous vivons ailleurs, nous ne savons pas pour combien de temps. Tout à l'heure, un élu rappelait qu'il avait vécu 40 ans ici. La difficulté que le député a rencontrée, qu'il a réglée d'ailleurs avec le ministère de la Justice, sont des difficultés qui s'expliquent par deux voies. La première, c'est que l'État français est un État jacobin, c'est un État très centralisateur. Et même si ça fait plus de 25 ans que des lois de décentralisation partagent le pouvoir et la décision, on voit bien que l'État ne s'adapte pas à ce partage de pouvoir et de décision. À preuve matérielle et statistique, la décentralisation a créé les collectivités, elle leur a transféré des compétences, mais on voit bien que l'État lui-même ne s'est pas dégagé d'un certain nombre de structures. Donc il y a doublon d'exercice de compétences entre l'État et les collectivités. Et l'État, d'abord, ne transfère pas toujours les moyens qui correspondent au transfert de compétences, mais surtout, il continue à veiller sur tout, à tout contrôler. C'est une culture des institutions qui ont plus de 2 siècles d'âge, et donc des mentalités, des formations qui se sont sédimentées à travers le temps et qui font que le réflexe au niveau de l'État, c'est encore de tout ramener, c'est de tout centraliser et surtout de rester dans les standards. Et c'est pour ça qu'il est important, lorsque le député Lechimi vous dit que moi je lutte pour la différenciation, c'est pas juste une différenciation de normes, c'est pas juste une différenciation dans les textes, ce ne sont pas juste quelques aménagements qui permettent de tenir compte d'eux. C'est sortir des standards, d'une espèce de norme presque frigide, quoi. Elle est glaciale, elle est raide, parce qu'elle est pensée à partir d'un centre. Donc c'est un combat à la fois politique, culturel et éthique. Et ces blocages de l'État sont des blocages qui vont durer encore, donc c'est pour ça que les combats sont encore devant le député et vos autres parlementaires. Ça va durer. Il faut en plus qu'il y ait une note politique, c'est-à-dire que pour entendre des demandes de parlementaires, il faut qu'au niveau de l'État, il y ait une réceptivité politique, ce qui n'est pas simple à faire. Lorsque j'étais en fonction, alors c'était une bataille, hein, y compris contre le cabinet, y compris contre l'administration, et les gens sont de bonne volonté, mais ils ont un mode de pensée, un mode de raisonnement, une culture qui font qu'eux-mêmes de bonne volonté, ils vont vous consacrer du temps, ils vont vous écouter, ils vont faire toutes les recherches que vous demandez, mais il y a des choses qu'ils ne saisissent pas tout de suite. Lorsque j'étais donc en fonction, j'ai créé un tribunal foncier en Polynésie, parce qu'il y avait 7 demandes de la Polynésie, du territoire, des élus du territoire, depuis plus d'un demi-siècle, et il y avait toutes les dispositions de la législation française qui plaidait contre la création de ce territoire foncier. Et de bonne foi, depuis un demi-siècle, tous les gouvernements, et y compris au Parlement, parce qu'il faut convaincre les autres parlementaires, parce qu'eux aussi, ils ont des schémas de raisonnement qui font qu'ils ne saisissent pas bien les subtilités
et le bien fondé de ce que l'on demande. Donc c'est un travail de très grande qualité. Je suis très très heureuse d'avoir partagé cette soirée avec vous pour entendre la présentation du texte, la présentation de ce qu'on appelle l'exposé des motifs, c'est-à-dire selon quelle logique et dans quel objectif ce texte a été pensé, conçu, pourquoi telle disposition plutôt que telle autre, et qu'est-ce que c'est censé régler comme problème. Je pense que le député aura encore besoin de vous, non seulement pour donner corps à la réalité des problèmes, non seulement pour illustrer la vraie dimension des enjeux de ce problème foncier qui contribue à notre sécurité mentale collective, mais aussi pour rappeler qui nous sommes. Voilà, pour rappeler qui nous sommes, c'est en terre de Martinique que Aimé Césaire a bien défini nos identités de la façon la plus poétique, la plus lyrique possible, hein, même lorsqu'il nous traitait de haïsseurs et de bâtisseurs d'abord et de haïsseurs aussi. Je me suis souvenu de cette partie du problème, quel et qui nous sommes, admirable question, bâtisseurs, haïsseurs, ougans surtout, et nous, car nous voulons tous les démons. J'y ai pensé parce que j'ai entendu des témoignages qui disaient « Ah ben oui, mais il y a des gens, c'est par méchanceté. Il y a des frères et des sœurs, c'est par méchanceté. » Voilà. Ils ne disent pas un mot, ils restent dans leur coin, ou alors ils vont compliquer les choses, ils vont prendre un notaire ou un avocat, c'est par méchanceté. Bon, voilà. On est des gens démesurés. Voilà. Donc on aime démesurément, on déteste démesurément, on casse démesurément. Nous sommes comme ça. Et bien comme ça, nous sommes bien. Il faut simplement être conscient de ça, le savoir, et prendre des dispositions de façon à éviter que cela nous nuise. Nous avons un caractère très paradoxal, c'est que collectivement, nous sommes très souvent très écrasés. Collectivement, nous avons une vraie, vraie difficulté à faire foule, comme disait encore Césaire. Cette foule qui ne sait pas faire foule et si prompte à trouver le point de désencastrement. Donc nous avons ces difficultés-là, mais en même temps, lorsque nous regardons individuellement, nous sommes époustouflants, et les femmes en particulier. Donc nous devons avoir conscience de ça, ça doit nourrir nos dynamiques collectives. Collectivement, nous sommes souvent écrasés, nous sommes souvent dans l'incertitude, nous sommes souvent aussi dans l'indécision, mais individuellement, nous valons tellement, nous avons une telle puissance que, ben, comme ce soir, nous le ressentons par une énergie très très forte, et bien c'est bien ce que j'ai éprouvé ce soir, et je vous en remercie. Merci Madame la Ministre. Merci Monsieur le Député. Je pense que, Monsieur le Député, vous avez pu constater l'engouement de ce public, donc l'envie et le désir m'est venu de peut-être réaliser encore un séminaire sur d'autres sujets, parce que je pense que ça manquait en Ile-de-France. Le chlordécone, voilà, ce sera le prochain thème de notre rendez-vous avec Monsieur Lechimi. Voilà, donc il a voulu nous insuffler ce désir de réunir nos amis ici en France pour expliquer sa politique, mais aussi sur divers sujets. Je pense qu'aujourd'hui, il a réussi son défi, notre défi également, en tant que Balaisien, et nous en sommes très fiers et très heureux. Merci beaucoup, Monsieur le Député. À très bientôt. Monsieur Lechimi, la loi sur l'indivision va simplifier la vie de beaucoup d'ultramarins. Je souhaite. On est face à une situation très compliquée et difficile. La sortie de l'indivision, les conditions de sortie de l'indivision associées à nos réalités historiques sur la propriété foncière, les filiations, la transmission du dossier, nous donnent 40% de biens privés dans l'indivision. Donc si on ne trouve pas des solutions qui soient adaptées à la réalité, on aura pratiquement plus de la moitié du foncier bloqué. Dans une commune comme Makouba, Martinique, c'est 43%. C'est un texte destiné à sortir une division de manière plus rapide pour avoir des terrains qui soient... Vous l'avez simplifié au niveau juridique, c'est très important ça. Oui, on est passé de 100%, c'est-à-dire si vous avez 30 divisaires, il faut que les 30 signes de documents pour accepter que l'indivision soit réglée, la succession soit réglée. Si vous avez une personne qui décide de ne pas signer, c'est tout bloqué. Donc on passe à 51%, mais pour une période opérationnelle de 10 années. Comment
comment ça se fait qu'il y ait autant de pourcentage d'indivision aux Antilles, en Martinique par exemple? 40%, vous avez dit, des fois il y a 43% de... Il y a plus que ça, il y a même 83% de la... Donc on est actuellement face à une réalité. À mon avis, il y a une dimension historique, la colonisation, l'esclavage. Il y a une dimension opérationnelle, l'absence du cadastre. Jusqu'à les années 70, on a installé le cadastre. Ça veut dire avant, on n'a pas pu avoir la structuration foncière de manière extrêmement claire. Il y a des problèmes de titres au niveau de l'IOD ici, il ne faut pas ignorer ça. Les gens qui sont sur le terrain sans titre, donc c'est un deuxième problème pour régler. Donc on a une situation historique sociale, le départ de beaucoup de personnes à l'étranger, notamment en plus dans l'Hexagone, et ça fait qu'on a des familles très très éclatées, et puis l'évolution même de la société a un petit peu réduit les relations entre les individus. Aujourd'hui, on est face souvent à des rapports de force internes dans les familles, plus qu'à régler les successions. Alors la présence de Mme Taubira, ancienne ministre de la Justice, est vraiment un soutien à vos côtés. On a fait ce débat à l'Assemblée nationale qui a permis d'avoir un vote à l'unanimité. Ce soir, Christiane est venue, non pas pour me soutenir, mais elle est venue pour manifester sa présence avec nous. C'est un symbole extrêmement fort pour tout le monde, y compris pour moi-même. Et je suis très heureux qu'elle ait accepté de venir ici. Merci beaucoup. J'ai accepté l'invitation du député Serge Letchimy de venir participer à cette séance de présentation de son texte de loi sur l'indivision. D'abord, évidemment, par amitié pour Serge Letchimy, ensuite parce que c'est un sujet extrêmement important qui concerne les Antilles, principalement les territoires insulaires, où il y a une surdensité démographique, mais également la Guyane, pas l'ensemble du territoire parce que nous n'occupons pas 80% de notre territoire, mais les zones urbaines et principalement Cayenne, Saint-Laurent-du-Maroni notamment, sont des villes, des communes où il y a cette même problématique. Donc il y a une difficulté qu'il fallait lever sur le plan juridique. Et bien entendu, le plaisir de passer une soirée avec les gens de chez nous au sens large, parce que c'est chaleureux, c'est énergique, c'est volontaire, il y a beaucoup de confiance, il y a une ambiance culturelle, il y a surtout une ambiance de fraternité, c'est très très agréable. Donc c'était une soirée studieuse, très très sérieuse, et en même temps c'était une soirée très chaleureuse. Merci beaucoup.